jusqu'au jour où j'envoierai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Quand il dit au début, « Je ne boirai plus de ce fruit », c'est la coupe de la souffrance qui représente son sang, le sang de l'Alliance pour la rémission de nos péchés. C'est sa coupe avant qu'il monte sur la croix. Et ici, je boirai de nouveau, c'est la coupe de la joie, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, la coupe de la joie. La joie en haut tout en avec nous, sur la terre comme en haut. Mais en haut, notre joie va être tellement parfaite. On va être dans une extase, dans la présence de Dieu, dans la lumière. Quand Jésus va venir nous rechercher dans toute sa gloire, il va apparaître. Il va entrer nos corps. Que nos corps vont être transformés. Celui qui était semé aveugle, il va se réveiller avec ses yeux. Celui qui est sourd, il va entendre. Et la personne qui est infirme va avoir tous ses membres. Hein? C'est-tu beau, ça? Amen. C'est-tu beau, ça? Pour qu'on peut avoir la joie, on attend ce mot-là. Le retour de Jésus. C'est ça qu'on prêche, le retour de Jésus. Amen. Amen.